enlever. Alors le public du parc qui encourage Pauleta, le duel Pauleta-Barthez a souvent tourné à l'avantage du premier dans les matchs ici au ouais, parc. Il y a Pauleta-Rotel, mais c'est Pauleta. Ouais, Pauleta qui frappe, le poteau. Ça s'appelle un mur mal fait parce que Barthez était derrière l'autre côté et il doit être du côté de où c'est ouvert. On va avoir le temps de le revoir. On profite de la zone parisienne d'abord. Faut bien le regarder, vous allez voir. Voilà, avec notre steadicam, on a été récupéré, c'est la caméra portable, on a été récupéré Pauleta qui avait filé vers le banc de touche. Qui ? Barthez qui part de l'autre côté. Ben non, mais il était déjà de l'autre côté, alors qu'il aurait dû peut-être être là. Et puis en plus, vous avez vu, les joueurs se sont enlevés. Non seulement les Parisiens se sont enlevés, mais les jaunes aussi. On ne peut pas faire pire. On peut presque dire que... Il a marqué Louis Ndoula. Louis Ndoula, encore une fois dans le jeu court assez précieux, il a donné à Pauleta un bon ballon de Pauleta pour Rotel, la frappe de Rotel. Et le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Alors là, ils sont mieux que bien en place, ils sont bien en mouvement. Bien en mouvement. C'est la première fois qu'il marque cette saison, Jérôme Rotel, une saison où il est passé par tous les états. Il avait failli quasiment quitter le club au Mercato. Jérôme Rotel confirme sa résurrection, une bonne première mi-temps et un but magnifique. Le Paris Saint-Germain met 2-0 malgré la niaque toujours présente de Michel Derzakarian. Oui, alors c'est le décalage qui a été fait sur le côté. Premier poteau de Barthez. Hein. Alors dans un 4-4-2 sur une situation...